Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. À partir de ce lundi 27 mars jusqu'au mercredi 29 mars, Cotonou, la capitale béninoise, accueille un atelier international lors duquel la CEDEAO évaluera ses 10 années d'expérience électorale dans les 15 pays membres de l'organisation sous-régionale. Le marché de la liberté à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un marché à caractère vital pour les Kinois. Construit par l'ancien président Laurent Désiré Kabila, on retrouve près de 10 000 commerçants dans le plus grand marché de la capitale congolaise. Et puis retour sur la reprise du championnat de volley-ball de Côte d'Ivoire. Les 25 et 26 mars se disputaient les rencontres de la deuxième journée. Relève Volley-ball Club s'est imposé 3-7 à 0 face à San Volley-ball Club. Mais tout d'abord, le secrétaire général de la CAF, la Confédération africaine de football, le Marocain Hicham El Amrani, a annoncé sa démission à compter de ce lundi 27 mars 2017. Le secrétaire général de l'organisation depuis 8 ans a remis sa démission dimanche 26 mars au nouveau président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad. Ce dernier a déjà confié l'intérim du secrétariat général à l'Égyptien Essam Ahmed, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Un atelier international sur le thème « 10 années d'expérience électorale au sein de la CEDEAO, défis et leçons apprises » ouvre ce lundi 27 mars à Cotonou, au Bénin. L'atelier qui prendra fin mercredi 29 mars permettra au président des organes de gestion électorale issus des 15 États membres de l'organisation sous-régionale de faire un récapitulatif de leur action. Mélina Bokassa. Quel bilan pour la CEDEAO après 10 ans d'expérience électorale dans la sous-région? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les présidents des organes de gestion électorale issus des 15 États membres de la CEDEAO, le président de la commission de l'institution et les représentants des organisations internationales, ainsi que les experts électoraux. Ils ont rendez-vous ce lundi 27 mars à Cotonou, au Bénin, pour procéder à une évaluation objective. On va dire que la CEDEAO a essayé pendant ces 10 années quand même d'essayer de s'imposer dans une certaine mesure dans ce processus électoral-là, mais gagnerait effectivement à continuer dans ce cas-là et à faire respecter surtout l'intégrité des votes et surtout à permettre à ces différents États-là au niveau de leur constitution de consacrer maintenant pour moi la question de l'alternance politique. Les participants seront donc amenés à réfléchir sur les progrès en termes de processus électoral. Ils évalueront notamment le taux de participation des femmes, les registres électoraux, la planification financière ou encore la mobilisation des ressources. On a remarqué quand même que la CEDEAO est en train de faire de multiples efforts en essayant d'envoyer des missions un peu en avance, des missions à long terme, qui permet justement de pouvoir encadrer tous les acteurs impliqués dans le processus. Et cela permet dans une certaine mesure de prévenir les conflits. Depuis sa création, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est engagée à éradiquer tous les types de conflits, y compris les conflits électoraux dans la région. Elle a alors commencé à déployer des missions d'observation électorale dès 2001 dans le but de veiller à ce que les résultats reflètent véritablement la volonté souveraine des citoyens et réduire ainsi la prévalence des conflits électoraux. Découverte du plus grand marché de la ville de Kinshasa, le marché de la liberté. Construit par le président Laurent Désiré Kabila, ce marché situé dans la banlieue la plus peuplée de la capitale de la République démocratique du Congo est une réponse aux nombreuses préoccupations de la population. Près de 10 000 personnes y exercent différentes activités génératrices de revenus, assurant ainsi l'épanouissement personnel et communautaire. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Relever le niveau social des habitants de la banlieue est de la ville de Kinshasa, c'est le but du marché de la liberté construit par le président Laurent Désiré Kabila. Situé au bord du boulevard Lumumba, sur le chemin menant à l'aéroport international d'Ndjili, dans le district de la Tchangou, le plus grand et peuplé de la capitale, ce marché est une récompense au patriotisme qu'ont fait montre les habitants de cette partie de la capitale pour avoir fait échec aux rebelles qui ont tenté de renverser le régime de Laurent Désiré Kabila en août 1998. Il y a eu effectivement des événements tristes à l'époque où entre 97, entre 97 et 98, il y a eu vraiment des perturbations politiques et il y a eu des guerres civiles.
À ce moment-là, la population s'est prise en charge et la population a refusé d'être assaillie. Dans une ville où la population est estimée à plus de 10 millions d'habitants, le marché de la liberté apporte une solution à la délicate question du désengorgement de la ville. Sa mise en activité il y a 13 ans a ralenti les mouvements vers le marché central au centre-ville où tout le monde s'est dirigé. Actuellement, vous savez que la banlieue du district de la Tchangou, là où nous sommes, c'est la banlieue la plus surpeuplée, la plus peuplée et la plus démunie. Donc vous voyez que c'était une idée ingénieuse de penser à développer cette communauté. Parce que sans un marché, parce que là vous trouvez de tout, le développement communautaire est toujours un peu réduit. 8 à 10 000 personnes exercent quotidiennement grand et petit commerce au marché de la Liberté. Ce marché est un trésor qui a donné de l'emploi à plusieurs fils du terroir, parmi lesquels un bon nombre qui, malgré les études faites, sont restés des années sans une activité génératrice de revenus pour l'épanouissement personnel et communautaire. Le championnat national de volley-ball ivoirien a repris ce 25 et 26 mars. À cette occasion, se disputaient les rencontres de la deuxième journée qui ont notamment opposé Relève Volleyball Club au Sun Volleyball Club au stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 3-7 à 0, c'est le score sans appel de la rencontre entre Relève Volleyball Club en jaune et Sun Volleyball Club. Malgré quelques attaques victorieuses de joueurs en bleu, les jaunes s'imposent dans le premier set 25-16 et encore 25-16 dans le deuxième. Le troisième set est plus disputé, Sun inscrit 21 points avant de s'incliner. C'était pas facile de jouer contre l'équipe de Sun, même si c'est une équipe qui n'est pas aussi forte. Mais il a fallu encore mettre un peu d'expérience, un peu de vivacité pour pouvoir remporter ce match-là. Mais on espère encore s'entraîner de plus en plus pour pouvoir remporter d'autres matchs contre les plus grandes équipes ici. A signaler la victoire du Réveil Club de Daloa sur Phoenix 3-7 à 1. L'une des particularités de ce début de saison de volleyball, c'est la faiblesse du jeu des équipes. Au début de la compétition, les équipes ont appris à s'entraîner. Donc, dans un premier temps, elles restent un peu crispées parce que dans les premières journées, elles arrivent à se jauger. Voilà. Donc on ne rentre pas vite pour ne pas que l'adversaire puisse vite savoir quels sont les bras forts, quels sont les bons comptes, tout ça. Le championnat de volleyball compte des clubs de l'intérieur du pays comme Grand-Laou, Tafiré et Bonoua. C'est le résultat du travail des 8 ligues de l'intérieur. Les championnats sont dominés chez les dames par la SEC et Descartes et chez les hommes par l'AUC et l'INJS. La SEC dames a remporté en 2016 le championnat de la zone 3 de volleyball. Au plan continental, le meilleur résultat de l'équipe nationale chez les hommes est une 4e place à la Coupe d'Afrique en 1989. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.